et bienvenue à la deuxième journée de la huitième édition du forum DSI à Hammamet en Tunisie. Hier, après une série d'exposés sur la transformation de l'entreprise, transformation qui est en fait indispensable pour sa survie, nous avons eu à la fin de la journée le baromètre. Le programme d'aujourd'hui prévoit des conférences, des workshops et puis des panels. Sans plus attendre, nous allons écouter une référence. Il s'appelle Mohamed Nizar Yaïche. Il est ancien ministre des Finances ici en Tunisie. Il a piloté plusieurs projets digitalisés, notamment pour le FMI. Il est ingénieur économiste, diplômé de l'École centrale de Paris. Il est ancien de la Harvard Business School. Et à partir de 2015, il est partenaire advisory de la Strategy Consulting chez PricewaterhouseCoopers, où il travaille particulièrement dans les domaines de la finance, de l'industrie, des nouvelles technologies, de la transformation numérique, du renforcement du secteur public et de la modernisation des entreprises et opère dans de nombreux pays européens, arabes et africains. C'est une référence. Sous vos applaudissements, nous appelons le ministre Mohamed Nizar Yaïche sur ce podium. Merci. Merci. Merci beaucoup, chère madame. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci pour cette introduction. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et ravi de participer à ce forum DSI. Et je vois qu'il y a plus de 500 personnes présentes ici, d'une vingtaine de pays. Une très belle participation à ce forum, avec de belles délégations, notamment de plusieurs pays, d'Algérie, de Mauritanie, de Sénégal, de Côte d'Ivoire, mais aussi on a une très belle représentation d'Allemagne, avec des parlementaires et des hommes d'affaires ici. Je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre présence. Donc on va parler de technologie, de digital, de transformation digitale, beaucoup de sujets effectivement importants. J'ai prévu de partager avec vous les dernières tendances technologiques de par mon rôle au sein de PwC en tant que leader mondial du digital pour tout ce qui est government and public services. Mais aussi, j'aimerais partager avec vous quelques résultats des données internes qu'on a, des CIO survey qu'on utilise pour voir mesurer l'impact en fait de tout ce qui se passe dans le monde actuellement sur les grandes tendances. Et j'aimerais rapprocher ça au gouvernement et comment créer les espaces qu'il faut pour développer davantage et exploiter davantage tout ce qui est potentiel technologique, tout en aussi anticipant les risques qui sont associés. Et j'aimerais également, si vous le permettez, partager avec vous mon expérience en tant qu'ancien ministre des Finances. Nous avons également effectivement piloté plusieurs projets de digitalisation au sein du ministère. Et donc j'aimerais partager avec vous en toute transparence voilà ce qui a marché, ce qui aurait pu mieux marcher et comment tirer quelques conclusions ou quelques leçons par rapport au change, parce qu'il s'agit de change et de change management au sein de la technologie. Voilà un peu ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui pendant les quelques minutes ensemble. Et le point de départ à mon avis, puisque c'est un forum DSI et puisqu'on va parler de technologie, c'est vraiment la création de richesses et le lien entre la technologie et la création de richesses. J'ai vu récemment une belle étude qui a été faite par un très bon économiste, un prix Nobel d'ailleurs, qui a montré avec d'autres qu'il y a plus de 80% de la richesse créée sur les 30-40 dernières années
était lié à l'innovation et principalement à l'innovation technologique. Oui, il y a d'autres facteurs comme la concentration des finances, comme la profondeur des marchés, etc. Mais c'est principalement l'innovation. Et c'est l'innovation d'ailleurs qui draine les flux financiers. Et c'est grâce à l'innovation qu'on crée, qu'on développe le GDP, le PIB par habitant, etc. Et tous les indicateurs qui mesurent en fin de compte la richesse créée par les populations. Donc, oui, la création, donc il y a la technologie. Et cette technologie et les évolutions technologiques, ça va continuer dans le futur. Et nous sommes même dans une phase d'accélération, puisque on pense d'ici 2030, une très large partie de la création de richesses d'ici là va également être associée à la technologie. Et je vais partager avec vous quelques tendances, les plus grandes tendances technologiques, là où on pense qu'il y aura le plus de création de richesses. Donc ça, c'est par rapport à la création de richesses. Ensuite, ces technologies-là vont également permettre de mieux exploiter le potentiel de nous tous, des citoyens, et de mieux exploiter le potentiel des entreprises. Les technologies également vont nous permettre de mieux appréhender les énormes challenges auxquels fait face l'humanité en ce moment. Vous le savez, on fait face à un énorme challenge de problèmes climatiques. Grâce à la technologie, on pourrait partiellement le traiter. On fait face à un énorme challenge démographique. Vous le savez, on voit des populations des pays très développés, leur moyenne d'âge évoluer d'une manière significative. La médiane d'âge de certains pays va dépasser d'ici une vingtaine d'années 65 ans. L'âge médian, vous imaginez, d'ici 2040, 2050. Donc, ce sont des choses qu'il va falloir vraiment anticiper dès maintenant. Et grâce à la technologie, on pourrait partiellement traiter, proposer des services, soit des services à distance, soit pour mieux traiter la population vieillissante. Et ça concerne des dizaines et des dizaines de pays. Grâce à la technologie également, on peut mieux traiter et mieux adresser d'autres challenges, type les énormes inégalités entre les individus au sein de la planète. Ce qu'on appelle les resources mismatch, l'hyperconcentration de la richesse, l'hyperconcentration du savoir au sein de certains pays et l'écrasante majorité de la population dans d'autres qui n'en bénéficient pas. Et c'est grâce à la technologie, si on l'utilise bien, pour les 20, 30 prochaines années, on pourrait mieux adresser ces challenges-là. Donc vous voyez que finalement la technologie, elle est vraiment au cœur. Elle nous permettra également de mieux appréhender certains challenges. Et également, j'aimerais rajouter que la technologie, elle est de plus en plus présente chez nous. Elle est de plus en plus impactante, puisque globalement, au sein de la population, nous sommes de plus en plus connectés. La vitesse de déploiement des nouvelles technologies, elle est de plus en plus rapide. On a mis 60, 70 ans, 80 ans pour atteindre une centaine de millions de adopters pour les nouvelles technologies, lorsqu'on parle par exemple, on remonte aux avions, aux voitures, etc. Ensuite, ce délai a été raccourci pour passer à quelques semaines ou quelques mois pour la dernière technologie. Donc la vitesse de déploiement, elle est encore plus forte. Rajouter un troisième facteur, qui est le fait que la technologie, elle nous connaît de mieux en mieux, elle est de plus en plus ciblée et elle est de plus en plus immersive. Immersive. Ça veut dire que l'impact même, il va être encore plus fort. Donc tout ça pour dire que le potentiel est grand, mais vous me voyez venir aussi pour dire aussi que les challenges sont vraiment énormes. Énormes. Les opportunités n'ont jamais été aussi grandes. Et les challenges n'ont jamais été aussi élevés. Et lorsqu'on dit challenge et défi, il y en a plusieurs. Je vais commencer par le plus connu, celui qui est le plus mentionné et qui est la première priorité d'ailleurs des CIO et des directeurs informatiques, c'est la cybersécurité, au sens large. Énorme challenge. On dépend de plus en plus des technologies, nos données, nos vies, etc. Les chaînes de valeur, les entreprises, etc. Vous imaginez le risque réel
très fort en termes de cybersécurité. Mais il n'y a pas que ça. On parle de vie privée. On parle également de challenges qui vont venir par rapport à la qualité de l'information et de l'information que nous recevons. Nous avons vu que via certains algorithmes et certaines technologies, certains moteurs de recherche, certains réseaux sociaux, ils peuvent influencer même certaines élections démocratiques. Que dire si demain on va parler de nouvelles technologies, on parle de IA, de métaverse, je vais y revenir, etc. Et lorsqu'on a des solutions encore plus immersives, et donc en théorie, qui peuvent influencer encore plus nos décisions et nos choix. Ce qui m'emmène à un autre challenge aussi fort, et c'est également un risque et un challenge, c'est par rapport à la santé mentale. C'est un challenge. Il faut l'anticiper. Le temps que nous passons devant nos écrans, le temps que nos enfants passent devant les écrans, n'est-ce pas ça? Et tous les indicateurs de santé qu'on voit derrière. Vous imaginez demain si on a encore plus de technologies, avec des technologies encore plus immersives. Mais il y a d'autres challenges aussi. Il y a d'autres challenges aussi. Le challenge sur les emplois. Sur l'emploi. On dit par exemple l'intelligence artificielle va permettre de créer de nouveaux emplois. C'est vrai. Elle va permettre de changer la typologie des emplois. C'est vrai. Elle va également détruire certains endroits. C'est vrai aussi. Les robots et la robotique aussi. Mais malheureusement, on s'arrête là et on ne va pas plus loin dans l'analyse en général, dans les analyses qu'on est en train de voir. C'est, oui, mais finalement, le bilan, c'est quoi? Entre création et destruction. Et ça, malheureusement, personne n'est capable de le dire aujourd'hui. Donc, énorme risque et énorme défi, énorme challenge auquel il va falloir vraiment se préparer. Un autre challenge associé à celui-là, au-delà de bilan, destruction, création d'emplois, etc., c'est quoi? Ce qu'on est en train de demander à l'humanité, aux femmes, aux hommes, etc., et notamment par rapport à la pyramide des travaux, du travail, parce qu'il y en a beaucoup plus à la base, à faible valeur ajoutée qu'en haut. Qu'est-ce qu'on va leur demander de faire avec la robotique, avec l'IA, etc.? On va leur demander de monter en valeur. Et donc, une partie de la réponse à la question bilan, création, destruction d'emplois versus nos objectifs, c'est notre capacité justement à faire monter ça. Et je pense que cette équation-là va être extrêmement difficile pour une partie de la population. Et je ne parle pas de milliers de personnes, on ne parle pas de millions de personnes, on parle de centaines de millions de personnes, voire plus. Donc l'enjeu, il est vraiment grand. À quel point ils pourront s'adapter au nouveau mode dans lequel nous vivrons d'ici 10 ans, 15 ans, et ainsi de suite. Le dernier challenge, et je vais m'arrêter là, il y en a d'autres. C'est un challenge énorme et de manière générale par rapport à nos valeurs. Par rapport à nos valeurs. Les valeurs humaines auxquelles on croit tous. Parce qu'il sera tellement facile d'agir dans des espaces faiblement contrôlés, faiblement régularisés, comme le métaverse, vous allez le voir. Et finalement, le principal repère, ça va être le challenge, ça va être le repère des valeurs humanitaires. Ça va être un énorme challenge pour nous et de tester nos valeurs. Et je pense que l'ensemble de ces challenges-là nous impose vraiment de traiter ces questions-là dès maintenant de la manière la plus sérieuse possible, avec la création de richesses qui va avec. Donc ce n'est pas qu'un seul élément de l'équation, ce sont vraiment les deux pour pouvoir avancer. Donc, lorsqu'on parle de technologie, il y en a plusieurs. Comme je l'ai dit, je vais les lister, mais avant de les lister une par une, surtout les principales, j'aimerais lier cette discussion et cette présentation et notre présence aujourd'hui à ce qui se passe dehors et ce qui se passe dans le monde, surtout en ce moment. D'énormes challenges également, d'énormes tensions géopolitiques, beaucoup de changements, on l'a vu depuis la pandémie. Beaucoup de changements, ça a changé même notre façon de travailler, notre façon de collaborer, beaucoup de homework, beaucoup de télétravail, beaucoup de je sais pas quoi, beaucoup d'adaptation, beaucoup de réflexions sur les chaînes de valeur lointaines, etc. Mais aussi des challenges maintenant beaucoup plus perceptibles sur l'inflation, notamment partout dans le monde, d'ailleurs ici en Tunisie, mais partout, en Europe,
aux États-Unis, etc. En Grande-Bretagne, on a dépassé les 10%, plusieurs pays européens, plus de 10% d'inflation. On parle de récession et de risque réel de récession dans plusieurs pays qui mènent l'économie mondiale. Plusieurs pays qui pilotent les presque 100 000 milliards de dollars de création de richesses annuelles que nous avons atteint tous collectivement en tant qu'humanité. On parle de récession, on parle de sous-performance, on parle... est-ce que dans un contexte pareil, qui, dans un temps normal, pousserait les entreprises, les leaders technologiques, les CIO, à réduire la voilure et dépenser moins, et donc à changer de trajectoire par rapport aux tendances technologiques ou pas? La question mérite d'être posée, n'est-ce pas? Est-ce qu'en temps de crise, lorsqu'on a des perspectives de récession réelles, comme on le voit, est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on va changer? Nous avons mené une enquête auprès de presque 800 CIO et leaders mondiaux dans les économies les plus fortes et qui sont un petit peu les leaders d'opinion et ceux qui disposent des plus grands budgets quasiment. Donc on pense que c'est un sample qui est assez représentatif des tendances. Nous le faisons d'une manière assez régulière au sein de PwC et c'est des data qui remontent au mois d'août dernier, donc c'est tout récent. Alors, ce qu'ils nous disent, c'est que premièrement, les CIO et les leaders technologiques, ils doivent, et ils sont conscients du fait qu'ils doivent s'adapter à l'incertitude. Ils doivent s'adapter à l'incertitude. Et ça, ça implique un plan d'action adéquat associé à ça. Ils nous disent aussi que 49% d'entre eux aimeraient profiter de la période qui arrive pour travailler encore plus et encore mieux sur tout ce qui est productivité et optimisation des coûts, grâce au digital. Donc ce n'est pas que de l'optimisation du coût simple, mais c'est vraiment la technologie pour l'optimisation. Donc il y a de la technologie. Et 57% d'entre eux, ils nous disent quoi? Ils nous disent, bien au contraire, on va investir davantage sur la technologie et on va augmenter notre investissement prévu dans la digitalisation et dans la technologie. Et ça, c'est un petit peu nouveau, parce que lorsqu'on regarde ce qui se passait sur les 10-15 dernières années, en général, période de contraction, risque, etc., on a tendance à réduire beaucoup de budget, et parfois aussi celui du budget des dépenses, d'investissement, d'innovation technologique, etc. Là, ce n'est plus le cas, parce qu'on est en train d'intégrer la technologie de plus en plus au cœur des stratégies de création de richesses, et on a compris vraiment et réellement l'association création de richesses, innovation et technologie. Et même pendant des périodes où on risque des récessions, on dépense sur la technologie et l'innovation, d'une manière générale, bien sûr, d'une manière générale, pour mieux traverser, mieux se différencier, être plus agile, être plus productif, etc. Donc ça, c'est ce qu'ils nous disent, et c'est rassurant. Et d'ailleurs, il y a un autre message qu'ils nous disent, c'est qu'ils sont également, presque les deux tiers, un peu moins, qui sont impliqués d'une manière directe dans l'élaboration de leur corporate strategy. Donc ils ont un siège permanent, pour la plupart, dans l'élaboration des stratégies. Donc la technologie, non seulement elle n'est pas infectée, mais en plus, elle est partie prenante dans l'élaboration des stratégies. Et d'ailleurs, je pense que c'est la meilleure façon de faire pour la plupart des secteurs et pour la quasi-totalité des entreprises. Comment exploiter le potentiel technologique avec les risques que j'ai élaborés, en même temps pour créer plus de richesses pour les entreprises. Donc voilà ce qu'ils nous disent. Et donc en termes d'investissement et en termes de tendances, oui, on va continuer à investir. Oui, on va continuer à développer plusieurs tendances technologiques. Et lorsqu'on analyse les 250, et on le fait d'une manière régulière, tendances technologiques sur les 10 dernières années, je pense qu'il y en a quelques-unes qui vont vraiment sortir du lot et qui sortent déjà du lot. Et on pense que pour les 5, 7, 10 prochaines années, elles vont vraiment continuer à sortir du lot. Lesquelles? Il y a bien sûr la blockchain et tout ce qu'elle permet de faire pour sécurisation des bases de données, des informations, etc. Ça va rester pour nous clé. Tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle, etc., XA au sens large. Tout ce qui est Internet of Things, etc., ça va continuer à se développer
et impacter et créer d'une manière significative la richesse. Tout ce qui est 3D printing dans certains segments également. L'intelligence artificielle qui est en train d'atteindre des seuils nouveaux en termes de maturité et en termes d'impact. Je peux vous le dire, des seuils nouveaux. Et l'intelligence artificielle, elle va être au cœur. Il y a aussi autre chose qui se développe de plus en plus maintenant. C'est quoi? C'est la métaverse. C'est ces espaces virtuels parallèles ou partiellement virtuels, je vais y revenir, qui aujourd'hui pèsent quelques dizaines de milliards de dollars d'investissement. Ce n'est pas encore énorme, on va dire. C'est déjà significatif. Mais certaines études disent qu'on va atteindre d'ici 2030, combien? 800 milliards de dollars. Et j'ai même vu des études encore aussi sérieuses, tout aussi sérieuses, qui parlent d'une taille de marché grâce à l'IA qui va peser 5 000 milliards de dollars. 5 trillions de dollars. Donc entre les 800 millions d'investissements d'ici 2030 aussi. Les 5 000 milliards. Moi, je suis de nature très prudent par rapport à tout ce qui est projection. Lorsqu'il s'agit surtout d'un nouveau hype, etc., de nouvelles idées, alors que même la terminologie, la définition de métaverse n'est pas aussi précise qu'on le souhaite, et c'est d'ailleurs fait exprès pour ne pas limiter le potentiel de création de richesse grâce à la métaverse. Donc la définition elle-même, elle n'est pas précise. Mais on parle tout de même de plusieurs centaines de milliards de dollars, voire plusieurs milliers de milliards de dollars d'ici 2030, donc d'ici 7-8 ans. Et donc on est en train de changer d'échelle, et donc c'est suffisamment important et suffisamment significatif pour s'y attarder, pour y travailler dès à présent. Et ça commence à devenir réalité. Et c'est quelque chose qui va vraiment impacter, non seulement d'une manière directe, mais il va nous impacter nous tous, les directeurs, les CIO, etc. Parce que ça veut dire aussi, c'est pas uniquement une création des investissements complémentaires, mais ça risque aussi de créer des cannibalisations par rapport à des budgets informatiques autres. Donc il va falloir l'intégrer. Alors c'est quoi Metaverse? Qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça va nous emmener? Ça va créer beaucoup de choses. Moi-même, je l'ai testé il y a quelques semaines, une des dernières Metaverse, c'était vraiment il y a quelques semaines, et ça nous a permis vraiment de faire un test de travail en mode collaboratif de manière assez unique. Nous avons bien travaillé, j'ai bien travaillé avec mes collègues grâce au Metaverse. On est rentré là-dedans, on a coopéré, il y en a qui étaient physiquement proches, il y en a qui étaient dans d'autres pays, et le potentiel qui nous a de la métaverse nous a permis d'être encore plus efficace et donc de lâcher encore plus le potentiel collaboratif et de générer encore plus d'intelligence par rapport aux décisions, etc., lorsqu'on a les outils qu'il faut. Donc ça, c'est un domaine et qui est en train de devenir réalité. Un autre domaine aussi qu'on pourrait utiliser pour au sein de la métaverse, c'est ce qu'on appelle le digital twin. C'est dupliquer au sein du métaverse des bâtiments, des réunions comme ça, ou même des cités entières. Et nous avons un digital twin dans une nouvelle cité que nous sommes en train de monter, de créer, de construire dans un grand pays à quelques milliers de kilomètres d'ici. Donc nous avons tout simulé dans la métaverse. Nous naviguons dedans, nous optimisons la cité, nos optimisations, le transport, l'éducation, le système de santé, etc. Ça nous permet d'ajuster, de mieux réfléchir, de mieux aussi collaborer pour que la cité future qui va voir le jour dans les prochaines années sera la plus optimale possible grâce au métaverse. Au sein du métaverse également, il y a des gens qui achètent. Aujourd'hui, ils achètent. Vous savez qu'on peut acheter des paires de chaussures d'une très grande marque, de quasiment la plus grande marque. J'ai vu les prix de très belles paires de chaussures à 600 dollars. 600 dollars, avec de l'argent réel, des dollars. Acheter une paire de chaussures. Le problème, c'est quoi? C'est que les paires de chaussures sont complètement virtuelles. Et il y en a qui achètent. Et ils achètent. Je connais des gens qui ont acheté des lots de terrain. Nous connaissons des entreprises qui ont commencé à louer des espaces dans le métaverse, des grandes marques, etc. Parce que les espaces et les terrains, ils vont devenir très rares au sein du métaverse. Digital. Complètement digital.
J'ai vu des NFT, les paires de chaussures, elles étaient magnifiques. Magnifiques, digitales. Mais je ne les porterai pas si elles existaient en réel parce qu'elles sont un peu trop flashy. Imaginez Metaverse avec IA. Imaginez les différentes tendances technologiques que je viens d'évoquer, combinées ensemble et tout le potentiel que ça va créer. D'ailleurs, suite à la réunion de collaboration collaborative avec mes collègues, j'ai pris une pause. J'ai pris une pause, mais pas dans le monde réel, toujours dans le Metaverse. Et je suis sorti dehors. Les paysages étaient magnifiques. Magnifiques. Une vallée verte, couleur verte, magnifique. Franchement, c'était du pur plaisir. Et ce qui était encore unique, c'est que les couleurs que j'appréciais étaient là. Et ce qui était encore unique, et c'était une expérience réelle, c'est que là où j'étais, j'étais suspendu. C'est-à-dire j'avais des angles de vue dans l'espace touristique virtuel assez uniques que je ne pourrais même pas avoir dans le monde réel. J'étais suspendu, je pouvais regarder comme ça. Donc c'était une expérience unique. Donc là, vous me voyez venir, c'est vrai que j'ai pu me reposer, peut-être en profiter, etc. Mais j'ai mangé quelque chose qui, a priori, qui a un bon goût, mais je ne sais pas ce que c'est. Et quel est l'impact que ça va avoir sur moi, sur nous tous, dans plusieurs années? Ça, c'est les grandes questions qu'il va falloir se poser, anticiper, profiter du potentiel, mais également voir comment garder pied sur terre et tirer le bon profit tout en anticipant les risques associés. Donc beaucoup de questions. Beaucoup de questions aussi sur les droits des propriétés. Qu'est-ce qui va se passer si mes connaissances perdent leur terrain? Qu'est-ce qui se passe si la paire de chaussures que j'ai achetée, ils m'ont promis qu'il n'y aurait qu'une dizaine dans le monde, donc de NFT, et finalement je me rends compte qu'il y a des milliers de personnes qui ont la même. Qu'est-ce qui se passe par rapport aux revenus et aux impôts? Qui va payer les impôts sur ça? Est-ce qu'il y aura une TVA sur ça? Par rapport aux vies privées? Il y a tellement de questions sur les conventions internationales, sur les règles, sur la régulation, sur. Et c'est en train de partir très vite, encore plus vite de ce qui nous est arrivé lors de la phase de mondialisation, la mondialisation économique, la libéralisation des marchés financiers, etc., elle est partie beaucoup plus vite que la mondialisation politique propre. Là, ça va partir encore plus vite et c'est extrêmement important que nous tous, qu'on soit associés. Je sais que pendant la période de création d'un nouveau hype, d'une nouvelle vague, il y a des va et des vient, des pertes de temps, d'énergie, etc., et des coûts, mais c'est important d'y être associé pour en profiter le maximum et pour l'orienter au maximum. Et donc, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des chief metaverse officers dans la salle. Est-ce qu'il y en a qui l'est ? Est-ce qu'il y a des chief metaverse officers ? Pas encore. Pas encore. Vous allez voir que dans cette salle, pour les prochains forums, il y en aura de plus en plus. Et donc, c'est pas important s'y préparer. De s'y préparer nous tous, mais aussi de s'y préparer par rapport au gouvernement, aux personnes qui nous pilotent, qui nous gouvernent, etc. C'est beaucoup de questions, beaucoup de questions. Et même les gouvernements, les pays, ils ont beaucoup évolué sur les dernières années. On peut mettre les pays et les gouvernements dans peut-être 5 blocs différents, 5 niveaux de maturité. Il y a le premier niveau, le government 1.0, c'est quoi? Ça nous a permis d'avoir l'accès aux services. Des choses simples. Extrait de naissance, excusez-moi d'utiliser cet exemple-là, juste, voilà, retirer, etc., le 1.0. Ensuite, d'autres sont passés, et on est passé, à la partie industrialisation. Donc ça devient de plus en plus industriel, de plus en plus mécanique, etc. Government 2.0, donc on parle plus de chaîne de valeur. Ensuite, on est passé au government 3.0. Davantage d'automatisation, de back-office, etc. Et donc, beaucoup plus, un peu plus proche du digital. Le government 4.0, là, on est en plein dedans. La digitalisation, à tout va. Le cloud, etc. La digitalisation des processus, etc. Et on s'oriente de plus en plus vers le government 5.0, où il est vraiment
citizen-centric. C'est un gouvernement 5.0 où là, ce qui est au cœur, c'est la personnalisation. C'est le citoyen et comment faire en sorte que le potentiel de citoyen, on l'exploite au maximum grâce à la technologie, mais pas que le citoyen, il y a aussi les entreprises. Les entreprises. Pour également, effectivement, maximiser la création de richesses pour les entreprises. Comment reconnaître les gouvernements 5.0? Bien sûr, elles sont digitally enabled governments, par construction. Par construction, elles sont open governments. Elles permettent d'échanger de l'information, etc. Et dans leur mode opératoire, ce n'est pas des politiques standards, des one size fits all pour toute la population. On a des approches beaucoup plus fines, beaucoup plus segmentées. Bien sûr, les critères classiques par âge, par genre, par je sais pas quoi, par région, etc. Mais il y a des segmentations beaucoup plus fines. Il y a des approches et des politiques beaucoup plus ciblées. Il y a des actions de Digital Government 5.0 qui sont beaucoup plus des actions proactives. On n'attend pas à ce qu'on vienne se manifester pour, ou à ce qu'on ait des tensions sociales, ou à ce qu'on ait des manifestations dans la rue, etc. Mais on anticipe, grâce au Digital Government 5.0, certaines actions et on les mène. Le Digital Government 5.0, il permet aussi de mieux communiquer avec la population, de mieux dire voilà ce que j'ai fait, mieux informer. Le Digital Government 5.0, il permet de mieux traiter, analyser les données, de croiser les données, de les cross-checker pour une meilleure action. Et enfin, le Digital Government 5.0, c'est un système évolutif qui permet d'utiliser tout ça et la donnée pour mieux affiner la segmentation, mieux affiner l'approche, mieux cibler, avoir de meilleures actions proactives. Vous voyez que c'est une autre philosophie et je pense qu'on y va petit à petit. Bien sûr, il y a certains pays qui sont plus en avance que d'autres, certaines administrations, ministères sont plus en avance que d'autres, mais un petit peu c'est ça le... C'est ça la tendance que nous voyons. Alors, je vois une question qui se pose sur une bonne partie des visages. Il y a beaucoup de Tunisiens dans la salle. Où en sommes-nous en Tunisie par rapport à tout ça? Oui? Alors, où est-ce que j'étais? Ma présence physique, la question est où est-ce que j'étais dans la métaverse? Je vais répondre à vos questions après. Mais je vais la répondre tout de suite. Où est-ce que j'étais physiquement? J'étais à Paris, bon, mais la présence physique n'était pas importante parce qu'il y avait d'autres collaborateurs qui étaient dans d'autres parties du monde. On s'est réunis au même endroit, virtuellement. Nous avons collaboré ensemble, virtuellement. Mais lorsque j'ai pris ma pause où je suis allé faire le site touristique, je n'étais pas avec mon épouse, mais j'étais avec l'avatar de mon épouse. Malheureusement. Je vais revenir à la question de... Alors, par rapport à la Tunisie, où est-ce qu'on nous en sommes? Parce qu'il s'agit de change, n'est-ce pas? Parce que le but de ce forum, de parler de change. Donc c'est important de parler de tendance écologique, de changement, etc. Moi, j'aime pas les extrapolations trop rapides et les copy-paste d'un milieu à un autre, d'une culture à un autre, d'un pays à un autre, etc. Les grands principes et les grands messages qui marchent partout, ça ne marche pas. On travaille dans tellement de pays, etc. Et à chaque fois, il faut adapter. Même si on arrive à dégager certaines tendances et certaines leçons qui peuvent être bonnes d'un pays à un autre ou d'une expérience à une autre. En Tunisie, où en sommes-nous? Je vais en dire par rapport à quoi? Par rapport au potentiel énorme du pays, par rapport au nombre de jeunes, de personnes qui sont vraiment... pointu, digital, IT, on en a tellement, nous en sommes très loin. Par rapport à des pays similaires et les pays les plus avancés, et même les pays comme nous, nous en sommes malheureusement très loin. Et c'est un discours de vérité qu'il faut tenir pour pouvoir progresser. On aurait pu faire beaucoup plus et on devrait faire beaucoup plus. Mais, il y a un mais, nous sommes capables d'accélérer. Nous sommes capables d'aller beaucoup plus vite. Et croyez-moi, cette phrase-là, ce n'est pas une phrase pompeuse pour dire oui, c'est une phrase de quelqu'un qui a fait un peu de politique et maintenant il est... On aime bien utiliser ce genre de phrase. Je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver grâce au retour d'expérience et mon expérience au sein du ministère des Finances, donc il y a 2 ans. Et vous allez voir
la liste de projets concrètes. Le but, ce n'est pas de jeter des fleurs. Parce que le gros de ce qui a été fait, ça a été fait par l'administration, par les équipes IT du ministère des Finances, par d'autres départements, etc. C'est eux qui ont fait le travail. Mais on est capable d'accélérer parce qu'en l'espace de quelques mois, nous avons réussi à faire beaucoup, beaucoup de choses. Et ce n'est pas des slides ou ce n'est pas des intentions. C'est des solutions réelles qui tournent, soit en mode live, soit en mode test, et ça a été démontré devant les journalistes. On est capable d'accélérer parce qu'on a lancé le portefeuille digital en l'espace de quelques mois. Vous vous souvenez? Et grâce à ça, nous avons distribué les aides pendant des périodes difficiles de Covid, lorsqu'on a vu qu'on était incapable de distribuer d'une manière physique et c'était un risque supplémentaire sur la population, lancé en l'espace de quelques semaines. Le Digigo et tout ce qui était les déclarations et les paiements d'une manière complètement digitalisée, ça a été lancé en quelques semaines. Les recettes des finances étaient fermées à cause de la pandémie. Il fallait le faire, on l'a fait. Nous avons lancé également une plateforme pour l'aide, les aides aux entreprises. Mais pas que la plateforme, c'est tout le système qui va avec. Des aides, de distribution de subventions, de liens avec les banques, avec la banque centrale, etc. Il y a des choses aussi côté process qui ont tourné, d'autres qui ont moins bien tourné. Mais le système a été mis en place en quelques semaines. Il ne fallait pas attendre parce qu'il y avait un problème de trésorerie et de liquidité pour plusieurs entreprises. Il fallait injecter de la liquidité, ne pas attendre. Ça a été mis en place et ça a été utilisé, des tickets qui ont été distribués. Nous avons lancé RSE. Pointe-en. D'ailleurs, il y a un panel là-dessus, je crois, tout à l'heure. Vous allez parler de RSE. Donc, toute une plateforme aussi pour encourager, avec un texte de loi qui a été émis bien avant nous, en 2018, pour utiliser tout le potentiel des RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Il y avait le paiement des vignettes côté digital. Il y avait une solution aussi qui a été déployée. Tout ça, c'est déployé. De télétravail avec tous les services, couches de services supplémentaires pour presque les 10 ou les 11 000 personnes qui travaillent au sein du ministère des Finances. Pour encourager le télétravail, pour réduire les déplacements, l'utilisation des voitures, des carburants, l'impact sur, etc., les dépenses supplémentaires et la productivité, le gain en temps, etc. Ça a été lancé grâce aux aides d'un pays partenaire. Ça a été fait. Et beaucoup d'autres. Il y avait aussi ce qui a été lancé, mais d'une manière très transversale, par l'excellent ministre des Télécoms, de notre gouvernement et le reste de l'équipe, c'est tout ce qui est la signature électronique et le cachet électronique, vous vous souvenez, et qui par décret-loi, donc rentrée en œuvre, décret-loi, les signatures électroniques avaient le même poids juridique qu'une signature physique, le cachet électronique le même poids juridique qu'un cachet réel. C'était lancé. Il y avait même dans ce décret-loi l'obligation à l'administration d'utiliser et d'échanger les informations et de ne pas demander des documents lorsque elle était capable de l'avoir sans passer par le citoyen. Grand changement dans la mentalité. Lancé, paru dans le journal officiel. Autre solution qui a été faite et lancée, et c'est extrêmement important et puissant aussi, c'est l'échange électronique de données entre administrations grâce au système UXP. Vous vous souvenez? Ça a été fait. Et nous avons même fait une démonstration comment les services de douane et les services financiers, etc., peuvent échanger des informations pour mieux cibler, pour mieux scorer, pour mieux identifier les risques, pour plusieurs raisons, et donc être plus efficace dans l'approche et rendre plus service aux entreprises. Donc ça a été fait. Et d'autres. Relance.finance, bankgov.in, etc. Il y en a d'autres aussi. Tout ça, c'est pour dire, et tout ça, c'est, encore une fois, c'est principalement grâce à l'administration tunisienne et grâce aux compétences tunisiennes dans l'administration, malgré le manque de moyens, et je l'ai vu, le manque de moyens. Donc à la question, est-ce qu'on est loin? Oui ou non? Oui, on est loin. À la question, est-ce qu'on est capable d'accélérer? Oui, on est capable d'accélérer et on devrait le faire. Et on devrait appréhender encore plus et faire encore plus, notamment par rapport aux tendances technologiques que j'ai évoquées tout à l'heure, IA, métaverse, etc., etc., et faire partie prenante, être partie prenante de ces éléments. Donc, grâce à nos compétences, grâce à la Tunisie, grâce au potentiel des Tunisiens qui sont là, ils sont vraiment doués pour faire de la technologie. Et ce n'est pas une phrase pompeuse non plus. Tout comme ils sont doués pour apprendre les langues, notamment ceux qui travaillent dans le secteur touristique. Est-ce que vous l'avez
vu ça, ils parlent plusieurs langues, parfois 4, 5, parfois 6 langues. Ils apprennent en l'espace de quelques mois dans les sites touristiques. Les Tunisiens aussi, les jeunes Tunisiens sont très doués pour l'informatique, pour les digitales. Et d'ailleurs, il y a plusieurs entreprises qui prennent de plus en plus, qui développent à partir de la Tunisie, c'est des modèles qui marchent. Et c'est sur des activités à forte valeur ajoutée grâce à la Tunisie. Donc il y en a qui veulent partir, qui travaillent à l'étranger, mais il y en a aussi qui veulent rester dans leur pays, et je les encourage à le faire pour développer à partir de leur pays. Et c'est une très belle tendance à développer et à soutenir. Et je vois qu'aussi il y a nos chers partenaires allemands qui sont là. Merci pour votre visite. Je vois que vous n'avez pas la traduction en français. En anglais. So, it's a pleasure to have you here. I had earlier a discussion with a delegation from the parliament, German parliament, and from businessmen from Germany. I'm happy to see that there is convergence in terms of points of views, and your presence here is also conveying a strong message that we can work together. And if I link your presence to what I said earlier, to these geopolitical tensions and what's happening in the world, and this fracturating world, this world is going to different blocks, really into different blocks. And we said after the COVID that we need to reduce the value chains and the logistics, right? But it was a wish. It wasn't done really, concretely. It wasn't really implemented, mainly because, maybe because of us. Maybe because on the Tunisian side, maybe because of the Maghreb side, etc. But now, with the tensions, with the possible additional tensions, with what we are hearing from the East, I think we do understand that most of the financial flows are going to the East, to Ukraine, to this war, to this stupid war, to this war, a lose-lose war, destroying a lot of value. But the mistake that should not be made, I think, by our European friends and partners is to look only to the East. We should work together, collaborate together, and with the competencies that we have, with the great competencies, with the great cost to competency ratio, etc., we can work together as partners, not as a supplier-client relationship, but as real partners to make the European markets even more competitive and to help European markets looking further south to Africa, thanks to the Tunisian gateway. So again, thank you for your presence. Ça, c'était un juste un message pour profiter de la présence de nos amis allemands, parlementaires et hommes d'affaires. C'est ce que je voulais partager avec vous. Donc le potentiel, il est vraiment grand pour la technologie. Et c'est charge à nous d'exploiter le potentiel de notre pays, le potentiel humain, d'investir et d'être partie prenante dès maintenant des vagues de développement et de création de richesses futures. Et je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Waouh! Waouh! Il est vraiment la référence. Il est la référence. J'ai essayé de prendre quelques notes. Je vais. La référence. Il a parlé des dernières tendances technologiques. Il a dit comment créer les espaces qu'il faut pour s'arrimer à l'air du temps. Il a évoqué plusieurs projets de digitalisation réalisés au niveau du ministère des Finances quand il était aux affaires. Il a donné le lien, il a évoqué le lien entre la technologie et le développement. Il a parlé de la création de richesses qui est associée à la technologie. Il a appréhendé les énormes challenges auxquels fait face l'humanité. Il a parlé de la cybersécurité, de plus en plus présente de nos jours. Il a parlé de la disparition des emplois avec le développement de la technologie et la transition entre
la disparition des emplois et la création des emplois, parce qu'il y en aura. Il a égrené littéralement le chapelet des challenges liés à la technologie et à l'omniprésence du numérique, une espèce d'appel à l'action, une espèce de wake-up call, comme disent les Anglais. Il a parlé de l'association entre la création des richesses, l'innovation et la technologie, et comment exploiter le potentiel technologique. Wow, it was too much. Voilà, merci Monsieur le Ministre, merci pour ce brillant exposé. La parole maintenant, c'est au panel qui sera présenté, dont le modérateur sera Mohamed Ali Aboudi, que j'appelle sur ce podium, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Et en même temps qu'il se prépare à venir sur ce podium, je voudrais aussi, avec votre permission, demander à Madame Ilhem Bouaziz de se présenter, parce qu'elle fait aussi partie du panel. Merci, Madame. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et Madame Rim Akremi devrait aussi les joindre sur ce podium. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Madame Rim Akremi.